Regardez un peu mon camion. Franchement, il n'est pas beau. Non, il n'est pas beau. Il est juste magnifique. Ce mode m'a été gentiment envoyé par Philippe et Ludo de l'atelier du skin ETS ATS. Euh, C'est un groupe Facebook. Vous, si vous suivez mes vidéos, vous en avez déjà entendu parler. J'ai déjà fait plusieurs présentations. Mais là, quand même... Je trouve qu'ils ont vraiment fait fort, ce camion est magnifique. Voilà, c'est mon avis. En avant, pour euh, ce map combo, pour MHA Pro, on va regarder tout de suite la carte. Alors, la première chose que certains vont me dire, c'est « Ouais, ton map combo, il est tout petit. » Ben bah, oui, euh, oui et non. Alors, oui, dans la mesure où vous ne trouverez pas Coast to Coast, qui n'est pas compatible avec MHA Pro, il n'est pas compatible non plus pour le moment avec euh, Great America ou avec Montana. Euh, maintenant, il faut quand même bien se rendre compte d'une chose c'est que cette carte représente à peu près le double en densité de la carte d'origine. Euh, le double, c'est quand même pas rien, quoi. Euh, allez sur le site euh, d'Alex, sur son blog, vous avez l'adresse du site euh, qui se trouve dans la vidéo description tout en bas, dans la section partenaire. Et puis comparez, euh, comparez la carte d'origine avec celle-ci, vous allez voir, c'est quand même assez, euh, assez étonnant. Pour ce map combo, j'ai donc inclus MHA Pro. J'ai inclus ici Pro la petite ville de Barstow, alors quand je dis la petite ville, attention, hein, toute proportion gardée, voilà, j'ai testé, vous voyez ici en jaune, vraiment tout autour, euh, euh, et puis ben, Barstow, enfin le mode de Barstow, voilà, c'est tout ça, et si vous avez suivi la vidéo live que j'ai présentée hier, vous avez donc découvert euh, ces routes qui sont là, avec un tout petit problème de, de texture, euh, qui se trouve euh, je ne sais plus où, quelque part par là. Et puis euh, voilà, mis à part ça, c'est une carte qui est toujours en développement, mais qui en tout cas fonctionne correctement, la raison pour laquelle je l'ai inclus dans ce map combo. Je n'ai pas inclus également ATMX en version 4. Euh, qui ne fonctionne pas forcément très très bien avec euh, la nouvelle version de 1.40, mais il y a la version 5 de ATMX qui doit être présentée très prochainement. Donc je ferai une mise à jour de ce map combo et je l'inclurai. Lorsque je l'inclurai, ça devrait eh bien, justement enlever cette petite carte-là, la petite carte de, de l'Australie créée par, euh, par Rob Viggers, puisque désormais ATMX et puis euh, Australian Outback, c'est son nom. Eh en piète un peu sur les, sur les mêmes secteurs. C'est dommage, donc il faudra choisir entre les deux. Et puis euh, j'ai inclus donc dans ce map combo, on la voit ici, Alaska Ice Road, si vous aimez rouler dans la neige. Alors à savoir qu'il y a des particularités avec Alaska Map et puis Australian Map. Euh, vous ne pouvez pas avoir des missions qui partent soit de Alaska, soit de l'Australie pour aller. Sur le continent, au même titre que vous ne pouvez pas non plus avoir de missions qui partent de continent pour aller eh bien, soit vers Australie, soit vers, vers Alaska, tout simplement parce que les, les, les compagnies qui sont créées dans ces deux, dans ces deux maps, Alaska et Australienne, eh bien, fonctionnent de manière autonome, pas avec euh, le continent d'origine. Voilà pour les, pour les quelques infos. Si vous, vous voulez en savoir davantage, je vous invite à aller voir mes vidéos live sur MHA Pro. Il y a même eu un live avec Alex. Si vous parlez anglais, vous pouvez, vous pouvez le suivre. Mais il y a eu également une partie live en français. On va aller voir tout de suite l'ordre de chargement. Tout en bas, nous retrouvons le fichier MHA Pro partie 4, partie 3, partie 2 et partie 1. Pour votre information, l'auteur Alex. A cessé de produire la version gratuite qui ne comprenait que trois fichiers donc si vous trouvez des versions gratuites quelque part ce sont forcément des fakes c'est pas la peine de télécharger ça ce seront très probablement des versions 139 qui auront été rebadgées 1.40 euh, perdez pas votre temps avec ça ça ne fonctionnera pas pour vous procurer les cartes il faut aller sur le blog d'alex, il faut vous enregistrer avec un email valide, puisque cet email servira à vous envoyer ensuite les liens. Vous effectuez le paiement PayPal et puis vous recevez généralement sous 12h, 24h, 48h un mail de retour. Si vous avez des problèmes avec la réception de votre email, vous pouvez aller sur le forum Facebook. Là aussi, l'adresse se retrouve dans mon tableur. Et vous pouvez discuter directement avec Alex mais généralement il n'y a pas de problème juste au dessus nous avons la carte Barstow Extended éditée par Digital X qui est en version 2.0 et non pas la version 2.1 qui a quelques, quelques problèmes donc utilisez cette cette version là promode Canada le fichier assets model map et def donc, ProMods Canada, exactement comme ProMods pour euh, ETS2, vous devez d'abord charger votre fichier définition. Donc, vous avez plusieurs options euh, à prendre ou pas, hein, selon, euh, selon ce que vous voulez. Et puis, bah, vous téléchargez les trois autres fichiers ci-dessous à part. Alaska Ice Road Map, qui est en version 4.5 alpha. Qui fonctionne nativement avec 1.39. Je l'ai essayé, je l'ai testé, j'ai fait des missions, j'ai pas eu aucun crash, hein. j'ai même fait des tests en live. Donc vous pouvez utiliser cette map. Ici nous avons le fichier library qui fonctionne avec Alaska Map, tandis que Australian Outback Map et Australian Outback Def sont déjà, désormais des fichiers autonomes du fichier library qui est ici. Pour ce qui est des modes, donc dans la vidéo, j'ai fait la présentation du 389. Ici, vous avez le skin Cocopelli, pour le camion. J'utilise ici le Emils Road Advisor, que l'on peut télécharger directement via le workshop. 6 Megapack, que l'on télécharge également via le workshop. Et le Cocopelli Trailer, donc qui est la remorque de, de ce camion-là. Donc, pour avoir ce mode, soit vous allez sur le site Atelier du Skin ATS-ETS2 sur Facebook. Vous avez également un site où vous pouvez trouver euh, les skins donc de, de l'équipe de Ludo, Ludo Modding. Il y a des skins gratuits, il y a des skins payants. Les liens sont dans mon tableur. Vous les trouverez, allez faire un tour et puis vous verrez, même sur le site Facebook, il y a une, une bonne communauté très sympa. J'utilise ensuite le truck physics pour ATS de Alex Kazak, qui fonctionne ici en version 0.2.1. Alors à savoir que ce truck physique fonctionne avec nativement les camions SCS. Il faut ensuite rentrer dans l'archive, vous allez trouver un autre dossier qui propose des camions, des camions modés qui peuvent fonctionner avec, avec ce mode. Donc à vous de voir, de regarder dans la liste si vous avez l'un de ces camions. Et si vous avez l'un de ces camions, alors vous devrez insérer le fichier SCS juste au dessus de, de celui-ci pour le faire fonctionner. Nous avons ensuite ici le background satellite thin et tout en haut le full screen world map pour avoir la carte en plein écran. Voilà pour ce map combo. Je vais vous souhaiter de joyeux kilomètres. Sur la carte de MHA Pro, qui est vraiment une, une très 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 belle carte. Alors ce combo n'est pas très très gros, mais euh, voilà, partez quand même du principe que MHA Pro est déjà un map combo en lui-même, vu tout ce qui a été refait dedans, et j'ai plutôt mis l'accent ici sur, euh, voilà, sur des, des cartes fiables, des, des, une combinaison qui, qui fonctionne sans problème. Merci de m'accorder des pouces positifs si vous avez aimé cette vidéo. Merci de souscrire à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Ciao! Greetings, here is MX Tracker. Isn't it that nice? Isn't that Peter built very very nice skinned? This skin is done. By Ludo and Philippe from Atelier du Skin ATS ETS2. You can get them on their Facebook page, A link will be in my video description. And you can get them also on their website. And they suggest um, free and paid mode also. And this one is called Cocopelli. So we get for truck and for trailers also and this is the skin i use for the live stream i've made um, yesterday it was in french sorry for english community but you can find any informations now in video description also in my spreadsheet and i invite you to go to their site um, Ludo is speaking French and Philippe is speaking English, so any information just die with them. Here is now the map MHA Pro map combo. Um, no, there is no C2C, there is no Great America, there is no Reforma also, um, for a simple reason they are not compatible with MHA Pro but mha pro in itself is already a map combo in the way that the density of the map inside border i mean inside dlc's border is almost 100% more dense you have double roads double cities um, so it's already not that bad it's even very good and the quality of the map is such that wow it's really changing the original games. Um, in this map combo I've included here we get promotes Canada, version 101. I've included also Basto. I've tested all the roads around the sectors with uh, missions of course. and uh, Basto extended, in fact is here all these parts. And you can have more details on the, the live I've done yesterday. And it's working very well. I've added also Australian Outback. And I chose Australian outback instead of ATMX for example, in the way that version V4 is not working that well um, with 140 and the V5 version is almost coming, and I will update this map combo when ATMX will come. Um, the particularity is also that ATMX and Australian outback. Won't be compatible in the way that they are using the same sectors here around. And on top of that, let's go the full north and you will have Alaska map that is 139, but I've, te I've tested it and it's working fine also. I wish that Fabrikers will uh, propose us an update very, very soon, as he said in his uh, Discord. Here it is for this MHA Pro map combo. Let's have a look now to the load order. At the bottom in Mode Manager, we get here MHA Pro 140 ATS Part 4, Part 3, Part 2, and Part 1. And the author, Alex, stopped the free version with the only three files so whenever you will find a supposed uh, free version for m.h.a. pro 140, you can be 100% sure that this is a fake version. it, it does not exist anymore. Um, the reason is simple. alex is mapping alone for ats and ets2, and he just explained that he don't have enough time to continue to produce four maps basto extended version 2.0 and not 2.1 that was having some issues produced by digital x then we get promotes canada assets package promotes canada models package promotes canada map package and definition package exactly the same way than promotes for ets2 you have to create first your definition file on their, their site, and then you will set you will uh, yeah, you will set all the options that you you want, and then you will download these three files. Here we have Alaska Ice Roadmap from Rob Vigors, version is four point five, and using the library file also. That is mandatory to work with Alaska ice road map. On top of that, we get Australian Outback map and Australian Outback map def. And now this map is autonomous from the library file. This is the reason why I place it above Alaska. Here is Cocopelli for truck, and this Cocopelli for truck and then coco pelly here for trailers you can get it um, on the website of ludo modding you will see several free and paid mod you can join them also there is ludo speaking french and philippe speaking english um, you can find them on atelier du skin ATS, ats2 this is a facebook group and you can have well, what you need over there for your trucks any informations emil's route advisor cisl edition and you can download it directly from the workshop and Mega megapack also from the workshop so coco pelly trailers we have seen it a few seconds ago here i got trucks physics for ats done by alex kazak version is 021 and it is natively working only with scs truck and look for inside the archive and you will have some optional third-party mod truck that can run with um, truck physics if you get one of these truck just plus the scs file for the specific truck just above this one here is ATS, thin style background and full screen warm map to get your map in full screen of course, 100%. Wish that you will have an happy hauling with uh, MHA Pro Map Combo. Thanks to give me thumbs up if you appreciated the video and thanks to subscribe to my channel if it's not done. See you soon. Ciao!